dans les sables d'un désert parmi les plus arides du monde, les vestiges d'une civilisation depuis longtemps perdue réapparaissent à la lumière. Qui étaient ces hommes capables de s'épanouir il y a plus de 2000 ans dans une des régions les plus inhospitalières de la planète? Quelle était donc cette civilisation, celle des Nazca, qui vivait ici, en Amérique du Sud, au Pérou, sur cette bande côtière désertique coincée entre les Andes et le Pacifique, bousculée par les tremblements de terre et régulièrement inondée par les caprices de ses fleuves? Installé le long de quelques vallées fertiles, à quoi rêvait ce peuple de bâtisseurs, rapidement tombé dans l'oubli, à l'instar de sa capitale, la grande cité de Kawashi, aujourd'hui redécouverte? Peu à peu, grâce au travail des archéologues, émerge un monde étrange et déroutant, à la fois proche et très lointain. Les découvertes les plus récentes permettent-elles de lever enfin le mystère de ces pistes tracées par les Nazca au milieu du désert? Cet immense réseau de lignes qui attise depuis bientôt un siècle la curiosité du monde entier. Peut-on dire aujourd'hui à quoi correspondaient ces pistes, figures géométriques, animaux fabuleux? A-t-on percé le sens de ce fascinant rébus aux dimensions si colossales qu'il ne peut être observé que du ciel? Après 2000 ans de silence, que reste-t-il de la mémoire de ce peuple secret et oublié? Du Pérou, une piste poussiéreuse le long du rio Nazca, entre les Andes et le Pacifique. Directeur du Centre italien d'études et de recherches archéologiques précolombiennes, Giuseppe Orefici anime un ambitieux programme de fouilles, le projet Nazca. Depuis 17 ans, inlassablement, il explore les vestiges de la cité de Kawashi, l'ancienne capitale des Nazca. Le site est immense, 24 km carrés, fantomatique. Volée de sable et de dépôts alluvionnaires, Kawashi s'impose à tous ceux qui l'approchent par la force de son mystère. Sous l'arrondi de ces collines transparaissent les silhouettes d'immenses monuments qui en faisaient une des plus impressionnantes cités de l'Amérique précolombienne. La Grande Pyramide est sans doute la plus imposante. Là, le grand temple dont la structure en escalier descend en direction du fleuve. Entre ces édifices, des couloirs, des terrasses, des petites places. Sous les outils des archéologues, c'est toute une ville qui émerge peu à peu. Pour Giuseppe Orefici, la tâche est à la mesure du site. Colossal, fascinant. Incertaine aussi. Pillée depuis des siècles par des chasseurs de trésors sans vergogne ni respect pour les innombrables sépultures ensevelies dans ce lieu jadis sacré, la mémoire de Kawashi serait-elle à jamais perdue? Dépouillés de leur parure et de leurs offrandes, abandonnés sur le sable, blanchis sous un soleil implacable, ces centaines de témoins définitivement muets laisse imaginer l'ampleur des dégâts et l'urgence des fouilles pour sauver ce qui peut l'être encore.
Parfois, face à certaines découvertes bouleversantes, la révolte de l'archéologue dépasse de loin les seules considérations scientifiques. Mira, John. Regarde, John, regarde. Voilà ce qui reste après le passage des pilleurs. Des tissus, des cordes, d'autres tissus. Il y en a des milliers. Tous ces vestiges abandonnés, c'est du matériel perdu d'un point de vue historique, qui aurait pu aider à reconstruire le passé de ces gens. Et tout est détruit. Le travail des pilleurs n'est pas prêt de s'arrêter. Regarde cet objet, par exemple. C'est une fronde, avec des couleurs variées. Une fronde de cérémonie, très belle. Elle n'a pas intéressé les pilleurs qui préfèrent la céramique et les beaux tissus très prisés par les collectionneurs internationaux. C'est tous les jours que des informations se perdent, tous les jours que disparaissent des pages d'histoire qui ne pourront jamais être réécrites. Heureusement, le site est si grand, si vaste, que nous ne travaillons pas en vain à récupérer ce qui reste. Notre espoir, c'est de poursuivre notre travail et de sauver ainsi des pages et des pages de l'histoire des Nazca. Enquêteurs du passé, les archéologues ne classent jamais les affaires, quelles que soient les difficultés de leurs recherches. Chaque année, depuis 17 ans, Giuseppe reprend ainsi sa course contre le temps et l'oubli. Le site est trop vaste pour être entièrement mis à nu. Saison après saison, la mémoire du lieu s'arrache par bribes. À quelques mètres du Grand Temple, un nouveau chantier a été ouvert, un nouveau lieu de sondage, choisi après étude des photographies aériennes. Sous la croûte de sable, la vieille cité apparaît très vite. En creusant, l'équipe du projet Nazca descend par degrés dans les profondeurs de la mémoire de Kawashi. Du 4e siècle de notre ère, au niveau des couches de surface, jusqu'à la fondation de la cité, plusieurs mètres plus bas, 8 siècles plus tôt. Construite en briques d'argile simplement séchées au soleil, maintes fois détruites, victime d'inondations, de tremblements de terre ou des caprices des prêtres qui gouvernaient la cité, Kawashi fut à chaque fois reconstruite sur ses propres vestiges. De nombreuses offrandes enfouies dans les fondations des nouveaux édifices venaient à chaque fois consacrer cette renaissance. Un monde étrange émerge ainsi peu à peu à la lumière. Une immense cité dominée par les prêtres, vouée au culte des dieux et aux cérémonies. Aucune trace d'activité quotidienne n'y a jamais été retrouvée. Les offrandes et les objets rituels sont d'autant plus précieux que les Nazca ne connaissaient pas l'écriture. Les images qu'ils révèlent sont comme des passerelles d'une rive à l'autre du temps. À travers elles, c'est l'esprit des Nazca qui revient. À la fin de chaque journée de fouilles, les objets sont rapportés au laboratoire de Nazca, à quelques kilomètres du site. Après 17 années de travail, la collection de céramique réunie par l'équipe de Giuseppe Orefici constitue un extraordinaire inventaire de la culture des Nazca. Chaque pièce est minutieusement répertoriée et analysée avant de venir s'ajouter au gigantesque puzzle auquel sont confrontés les chercheurs. À la manière impressionniste, s'esquisse ainsi le portrait de ce peuple, au visage encore très mystérieux.
Le décor des céramiques, à vocation exclusivement religieuse, répond à des canons imposés par les prêtres. Par exemple, l'harmonie des motifs iconographiques est systématiquement brisée. Dans un monde soumis à ses dieux, la perfection leur est-elle réservée? Les divinités marines racontent l'histoire d'un peuple né entre la mer et la montagne, entre le Pacifique et les Andes. Au panthéon Nazca rivalisent toutes sortes de divinités. L'orque marine, le félin, le serpent, l'oiseau, le lézard. Ces dieux répandent leurs bienfaits sur les hommes par le nez ou par la bouche. La symbolique ne trompe pas. Langue fluide, forme serpentine. Ce qu'un peuple du désert attend d'abord de ses dieux, c'est l'eau. Le Rio Grande et ses affluents sont un peu le Nil des Nazca. Hormis quelques rares précipitations aux conséquences régulièrement catastrophiques, la sécheresse ici est la règle et l'irrigation une nécessité. Aujourd'hui encore, ces systèmes d'irrigation qu'ils surent inventer témoignent de leur talent de bâtisseur et de leur génie technologique. Faciles d'accès pour permettre le nettoyage, ils ont survécu à l'usure des siècles et sont toujours utilisés par la population locale. Tout comme le réseau de canaux et de galeries filtrantes, les puquios, destinés au recueil des eaux souterraines venues des Andes. Sans égal en Amérique précolombienne, ce réseau irrigue encore l'ensemble de la région. En remerciement à leur Dieu, les Nazca pouvaient alors construire de monumentales pyramides au bord du désert, symbole millénaire de la grandeur de leur civilisation. Au camp de base, comme chaque semaine, Giuseppe Orefici réunit son équipe. Les conditions météo imposent d'accélérer le rythme. Nous nous rencontrons après un mois de travail à peu près. Mais nous devons garder à l'esprit une chose très importante. C'est qu'après 17 années de fouilles ici à Cahuachi, les 71 chantiers que nous avons ouverts ne représente que 1% de l'ensemble du site. Alors parler de Cahuachi, même après 17 ans de travail, reste très difficile. Les conditions climatiques et l'effet d'El Niño se sont fait beaucoup ressentir l'an passé et cette année. Et nous ne savons pas ce qu'il en sera le mois prochain. Par conséquent, j'espère que vous comprendrez tous l'effort que nous devons fournir pour terminer le plus rapidement possible, avec les meilleurs résultats possibles, le travail de cette année. Voilà, c'est tout. Un grand merci à tous et bon courage. Le chantier a bien avancé. Une large zone a été dégagée pour permettre une étude topographique des lieux. Peu à peu, le plan de la vieille cité s'enrichit de nouvelles parcelles. Vers midi, Giuseppe Orefici est brusquement appelé. Dans le secteur Y16, une sorte de puits, peut-être une tombe, a été ouvert. À la surprise des archéologues, il semble bouché par des ballots de tissus.
Il y en a une quantité énorme. La tension monte rapidement. Le puits contient encore plus de tissus qu'on ne l'imaginait au premier coup d'œil. Apparemment, de très grande qualité archéologique. Un premier échantillon intrigue le spécialiste. Il s'agit d'un tissu décoré par application de petites plumes. Il semble avoir été découpé, il est noirci, mais n'a pas été brûlé. Ce n'est probablement pas une tombe. S'il y en a une, elle est plus bas. Oh, fantastico. Dios mio. En milieu d'après-midi, le vent se lève brusquement. Le travail doit pourtant être achevé. Les pilleurs peuvent être informés de la découverte et intervenir pendant la nuit. Il faut faire vite. Otra persona te ayuda. Otra persona? Aquí? Aquí? Ahí nomás, no, que no lo abran, que no. Tiene algo dentro. Sí. Je n'ai jamais vu ça. Nous en sommes à 28 pièces de tissu et c'est seulement la première partie de l'ensemble. Maintenant, nous attaquons la deuxième partie. Tous ces tissus ont appartenu à des personnes de haut rang. Ils sont décorés de divinités et surtout de dessins ornithomorphiques, c'est-à-dire des oiseaux peints. Au total, c'est 63 ballots de tissus que rapporteront les archéologues ce soir-là. C'est la première fois que des tissus peints sont découverts in situ. Mais pourquoi des tissus anciens se trouvaient-ils enfouis dans une couche archéologique correspondant à la fin de l'histoire des Nazca? Pourquoi des tissus d'époques différentes se trouvaient-ils enterrés ensemble? L'analyse de ces tissus demandera des mois de travail. Il faut essayer de sauver toutes les informations contenues dans ces tissus. De nombreuses pièces sont noircies par la matière organique que l'on retrouve à l'intérieur, et surtout par l'humidité à laquelle elles ont été soumises. Giuseppe Orefici ne connaît que quelques exemples de ces tissus peints conservés dans le monde. Leur rareté tient à leur ancienneté. Ils datent des premières périodes de la civilisation Nazca. Des traces organiques montrent qu'ils ont été en contact avec des cadavres et servaient de linceul. Sans doute ont-ils été un jour récupérés, rassemblés en paquets et rituellement réenterrés. À l'occasion peut-être d'une modification dans l'ordre religieux ou cérémoniel. La part de mystère irréductible qui leur est attachée ne peut que les rendre plus fascinantes encore. Ces tissus rejoindront bientôt la collection du laboratoire-musée dont Giuseppe Orefici nous ouvre pour la première fois la porte. Conservés dans de simples cartons, le climat de la région le permet, ces pièces de textile sont parmi les plus belles du monde ancien. À des siècles de distance, l'art des Nazca, cette habileté dans la fabrication des fils de coton ou de laine de lama et d'alpaga, cette extraordinaire variété des couleurs et des points de broderie, éclate comme au premier jour sous le soleil péruvien. Ce grand manteau de laine et de coton orné de félins volants
et de toutes les figures du panthéon Nazca contribuaient ainsi au faste des cérémonies de la cité de Kawashi, il y a plus de 2000 ans. Plus ancien encore, ce drap funéraire formé de 7 bandeaux et de carrés cousus entre eux recouvrait la sépulture d'une femme morte 350 années avant le début de notre ère. Fabriqués avec des aiguilles de cactus, ces colibris en trois dimensions ornaient la bordure d'un manteau de cérémonie. Les coloris éblouissants proviennent de teintures à pigments végétaux ou animaux, tels que la chenille broyée. L'urine humaine servait de fixateur. Cette parure cérémoniale est sans doute le joyau de la collection. Sur la bande centrale, défilent les divinités Nazca. Tout autour, le peuple en procession. Plus de 500 figurines, toutes différentes, jusque dans l'expression du visage. Dans leurs mains, des flûtes, des maracas, des éventails. Leur pouvoir évocateur est si fort que les Nazca semblent renaître soudain, le visage peint, vêtus de costumes chamarrés, chantant et dansant avec leurs dieux. Quinze jours plus tard, le travail à nouveau s'est interrompu. Le vent du désert, soulevant la poussière brûlante, empêche toute activité. Au camp de base, les archéologues poursuivent leurs rêves peuplés de très anciennes images. Désertée, la grande cité de Kawashi se replie sous sa vieille couverture de sable et d'argile. Il y a 1700 ans, après 6 siècles de domination sans partage, la capitale religieuse des Nazca sombrait brutalement dans l'oubli, comme enterrée vivante. Que s'est-il passé à Kawashi? Entre 300 et 350 de notre ère, il y a eu deux événements importants. D'abord, une grande inondation, particulièrement forte. Nous en avons retrouvé des traces dans toutes nos fouilles. Et un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui va détruire les temples. Nous avons retrouvé des morts sous les murs effondrés. Du coup, la religion des Nazca ne fonctionne plus. Les dieux et le centre cérémoniel ne fonctionnent plus. C'est le moment de l'abandon. Mais avant de partir, puisque tout est rituel, tout est religion dans leur culture, les Nazca enterrent entièrement les ruines en les remblayant. Observez les vestiges sur les parties les plus hautes du site. Vous verrez qu'ils sont recouverts d'une couche d'argile, apportée par les hommes au sommet du remblai. Et c'est ce qui en fait un lieu sacré. Tout, absolument tout ce qui se trouve sous nos pieds, a été recouvert par les hommes eux-mêmes. Il y a 1700 ans disparaissait ainsi, pour des siècles d'oubli, la gigantesque cité de Kawashi, enterrée par ceux-là même qui l'avaient fondée. Les Nazca, quant à eux, ne survivront que 2 ou 3 siècles à leur capitale, avant leur assimilation à la culture Wari, un peuple venu des Andes avec lequel ils avaient toujours eu des échanges. Les Wari domineront le Pérou tout entier. Plus tard encore, viendra l'Empire Inca. À ce moment, le nom même des Nazca aura disparu.
chute de Kawashi entraîne le déclin de ses dieux et la dislocation du pouvoir des prêtres. Alors que s'installe un régime féodal, sur les céramiques apparaît le visage des hommes. Dans la conscience Nazca, l'homme se libère et vient conquérir une place centrale. Sur le chantier de fouille, le vent est tombé et le travail a repris. Dans une de ces couches intermédiaires entre deux phases de l'histoire de Kawashi, les archéologues ont dégagé une momie de jeune lama. L'animal a été sacrifié. Il pourrait s'agir d'une sépulture et elle aurait échappé aux pilleurs. Un regain d'énergie mobilise l'équipe. Une série de poteries renversées sont bientôt mises à jour, révélant des tombes. Ces poteries servaient en effet de couvercle au puits funéraire dans lequel étaient enterrés les morts. Les membres inférieurs repliés sous le menton, les morts étaient enterrés en position fœtale. Pour rappeler peut-être les origines de la vie ou simplement parce qu'il s'agit d'une posture confortable nécessaire à une longue traversée. Une deuxième tombe révèle une momie recouverte de son linceul. Les archéologues tentent de la dégager. Malheureusement, plus de 15 siècles d'attente et d'immobilité rendent la manœuvre risquée. Les anthropologues de l'équipe décident alors d'établir sur place les premiers constats. Pour le docteur Brian Harrison de l'université de l'Oregon, il s'agit clairement du squelette d'une jeune femme. On le voit à la forme du pelvis. C'est une adulte, mais elle n'est pas très âgée. Il n'y a pas de traces d'arthrite sur les articulations. L'excellente conservation des tissus organiques rend ce site exceptionnel. Les cheveux sont en parfait état. Tout cela va permettre de tirer de nombreuses informations sur la population qui vivait ici il y a plus d'un millier d'années. L'aspect de ses dents montre qu'elle était en bonne santé. Il n'y a pas de stries, l'émail est très bon. Oui, c'était une jeune femme en bonne condition physique, elle devait avoir 20 à 25 ans. Et Nazca était très trapu, les cheveux longs et noirs, musclés parce qu'il travaillait dur. Il paraît clair aussi à l'examen des squelettes et des dents qu'ils étaient en général en bonne santé. Ils ne portent aucune marque de coup. Il n'y avait pas de guerre ici. Cette rencontre à une telle distance est miraculeuse, car les corps étaient enterrés tels quels, sans préparation particulière. Seule une sorte de momification naturelle a pu les conserver ainsi. Elle est l'œuvre des sables de la région, riche en sel et en nitrate, exempt d'humidité. La prodigieuse mémoire minérale de Kawashi est une mine d'informations pour l'anthropologue. Le professeur Andrea Drusini de l'université de Padoue a pu ainsi étudier près de 550 individus.
Comme sur toutes les populations, nous avons rencontré certaines maladies. Des traces d'anémie, des traces de malnutrition, des traces de maladies infantiles. Par exemple, de maladies infectieuses. D'après les statistiques effectuées sur cette population, on peut avancer que leur espérance de vie se situait autour de 37-38 ans. Il n'y a pas de grande différence avec l'Europe du 19e siècle où l'on vivait en moyenne jusqu'à 42 ans. Et pourtant, entre les deux populations, il y a presque 2000 ans d'écart. Sur le site des tombes, les travaux se poursuivent. Près des puits funéraires apparaît un nouveau corps qui intrigue fortement l'équipe d'archéologues. À la différence des autres, il est couché sur le sol, à l'horizontale. Le docteur Drusini se fait bientôt médecin légiste après avoir constaté que le squelette a les mains liées sur le devant du corps. Questa posizione è molto inusuale. Può essere naturale questa posizione? No, probabilmente si è trattato di un'esecuzione e il corpo è rimasto in questa posizione. Ti tirato sotto la pancia. È molto strana questa. Secondo me c'è stato un colpo molto forte che ha praticamente fratturato la base del cranio. Però dall'andamento della frattura sembra che sia stato inferto dal davanti e non dal dietro. Come quando è appoggiata la testa, capisci? Il collo si arqua. Ma non è fuori del suo posto? No, no. Frattura ben grande. Beh, Giuseppe, è stato un colpo proprio nella zona proprio del frontale. Il frontale, colpo secco proprio qua. Che ha fracassato completamente. Ha fracassato completamente la parte. Il setto nasale, il maxillo facciale. Il facciale, naso. Che ha fracassato proprio completamente la faccia. Proprio completamente. Non è giovane? No, no, è giovanissimo. 35 anni. 40 anni. Tiene anche 40 anni. Ah. Coprolito. Coprolito in bocca. Versi così in femore. Ce n'est pas la première fois que des coprolites, en l'occurrence des excréments humains fossilisés, sont retrouvés dans la bouche de momies. La signification de telles pratiques est difficile à interpréter. Dans un cas comme celui-ci, nous ne connaissons pas le sens que pouvait avoir le fait de placer des excréments dans la bouche d'un individu. Peut-être s'agit-il d'une marque de mépris ou d'un châtiment, nous ne le savons pas. Au total, ce jour-là, ce sont 7 momies qui seront retirées de leur tombe. Elles viendront enrichir l'échantillon nécessaire au travail des anthropologues. Certaines de leurs découvertes nous font pénétrer dans un univers étrange, fascinant et repoussant à la fois. Un autre monde. Plus de 90% des crânes étudiés par le professeur Drusini sont ainsi artificiellement déformés. Cet usage que l'on retrouve dans d'autres civilisations répondait probablement à certains critères de beauté. Les nouveau-nés étaient soumis, pendant un an, à la pression de déformateurs en cuir de lama. Cet appareil forçait le crâne encore souple du bébé à orienter sa croissance vers le haut. Un peu plus loin, dans le laboratoire,
Des crânes au front percé défient à leur tour l'imagination. Des crânes d'hommes, mais aussi de femmes et d'enfants. Il ne s'agit donc pas d'un rite guerrier. Une corde passée par le trou, retenue à l'intérieur du crâne par un morceau de bois, permettait le transport ou la suspension de la tête. Tête offrande d'une personne sacrifiée. Tête trophée, symbole de pouvoir. Parfois, la bouche est fermée par une aiguille de bois ou de cactus. Parfois encore, les yeux sont bouchés, la langue coupée et enveloppée dans un petit sac de cuir, afin que l'âme des morts ne vienne pas déranger les vivants. Toute l'iconographie Nazca témoigne de l'importance de cette pratique dans la culture d'un peuple, ni plus ni moins barbare que les autres. Pour les archéologues, cette coutume, et d'autres, plus cruelles encore, sont autant de fenêtres sur cet autre monde qu'ils tentent, à des siècles de distance, de pénétrer. Une des choses les plus émouvantes pour nous est sans doute d'appréhender peu à peu, à travers les rites, à travers ce qui reste de la vie cérémonielle de Cahuachi, ce que fut l'âme des Nazca. Un système de pensée avant tout rituel, une conscience profondément liée au passé. Un passé omniprésent dans la vie des Nazca, comme si sans passé, il ne pouvait y avoir ni présent ni futur. Au bout de leur voyage millénaire, les messagers Nazca s'acquittent ainsi de leur mission. Au malaise diffus qu'ils inspiraient à la première rencontre, succède le sentiment d'une étonnante présence. Profitant du calme persistant de la météo, Giuseppe Orefici survole le désert autour de Nazca en compagnie de son ami Eduardo Herrán. Ce pilote chevronné a découvert plus de 350 de ces géoglyphes qui ont suscité tant de curiosité dans le monde entier. À ce stade de l'enquête, la connaissance acquise sur les Nazca permet-elle de résoudre ce qui demeure la plus grande énigme laissée par ce peuple. Ces lignes gigantesques, ces figures colossales gravées dans le décor lunaire de la pampa désertique sur plus de 500 km² et qui ne peuvent être observées que du ciel. À certains endroits, des figures géométriques simples se superposent à d'autres aux formes plus travaillées, tout simplement parce que ces lignes ont été réalisées sur plus de 1000 ans et que les artistes dessinaient parfois sur de vieux tracés. Pour en établir la chronologie, les spécialistes comparent leurs motifs à l'iconographie des céramiques et des textiles. À une échelle cyclopéenne, c'est en effet tout le panthéon Nazca que l'on retrouve dessiné dans le désert. Le condor, le singe, le colibri. Les lignes Nazca se distinguent par leur dimension et par leur nombre qu'on ne cesse de réévaluer. Ce jour-là, Eduardo montre à son ami celle qu'il a découverte il y a quelques mois.
Quelques heures plus tard, Giuseppe Orefici se rend sur cette nouvelle zone. Après 2000 ans de solitude, les lignes tracées à même le sol apparaissent intactes. Seule pourtant, la couche superficielle a été grattée. Personne ne les a jamais entretenues. Comment expliquer un tel phénomène de conservation ? En premier lieu, il n'y a pas d'agriculture ici. L'homme n'a pas abîmé ces lignes qui se trouvaient à l'écart des zones agricoles, à l'écart de toute activité quotidienne. L'explication, d'autre part, vient de la nature même du terrain, constitué d'argile et de gypse. Enfin, grâce à l'humidité nocturne, les pierres pénètrent un peu plus chaque nuit dans la terre. Dans la journée, le terrain sèche sous l'action du soleil. Les pierres se fixent ainsi peu à peu. Il y a toujours du vent ici, mais il ne peut pas bouger les grosses pierres. Voilà pourquoi on peut encore voir les géoglyphes après 2000 ans. Avec précaution, l'exploration se poursuit en suivant le tracé énigmatique d'une ligne qui semble se perdre à l'infini. Du sol, la forme d'ensemble est indiscernable. Tourné vers le ciel, ce qu'expriment ces dessins de géants, c'est la vision des dieux. Dans son musée laboratoire, Giuseppe Orefici présente, en avant-première, au maire de la ville de Nazca et à l'historien péruvien José Lancho Rojas, la maquette du site des géoglyphes qui vient d'être réalisée. Inévitablement, la conversation roule sur le sens et la fonction des fameuses lignes. Per l'americana, il lagarto, il guarango, las manos, aquí hay los otros. Este se lleva bastante bien. Une remarque pourrait avoir son importance. La plupart des figures ne sont constituées que d'une seule et unique ligne qui progresse sans jamais se recouper. Cela peut-il avoir une signification ? Et d'abord, comment les artistes Nazca s'y prenaient-ils pour exécuter d'un seul trait et sans recul ces gigantesques dessins? Je crois que l'équipe de télévision souhaiterait réaliser une réplique des géoglyphes en dimension réelle et sur le terrain. Enfin, pas sur le site archéologique, évidemment. Qu'en penses-tu? L'idée du professeur Lancho est simple. Avec l'aide de quelques assistants et d'outils rudimentaires, l'historien se propose de reporter à grande échelle et sur le sol du désert un dessin préalablement tracé sur papier. À l'aide de cordes et de compas improvisés, le motif est minutieusement reporté sur le sol, après en avoir multiplié les dimensions pour obtenir l'échelle désirée. Quelques notions de géométrie élémentaire suffisent. Il y a 2000 ans, l'agrandissement d'un tel dessin ne devait pas poser plus de problèmes aux tisserands, aux bâtisseurs des monuments et des aqueducs Nazca, qu'à l'équipe du professeur Lancho. Sobre la línea. Tiembla más, José Luis, tiembla más. Tiene. La piedra está malogrando acá. Pour le professeur Lancho, ce n'est pas la réalisation des géoglyphes dans le désert qui pose problème. Le mystère est plutôt de savoir pourquoi leurs auteurs les ont construits.
En fechas importantes, à certaines dates importantes, les familles se rendaient sur la pampa pour prendre part à des cérémonies organisées sur les géoglyphes, comme une offrande aux dieux qui se trouvaient au firmament. Selon le professeur Lancho, qui n'hésite pas, pour l'expérience, à mobiliser ses élèves, les lignes offraient ainsi une sorte de chemin que des files humaines empruntaient à l'occasion de grandes cérémonies. En les parcourant, les pas des processionnaires en accentuaient le tracé et en animaient la figure. Icône vivante à la démesure du site, les lignes de Nazca célébraient ainsi les noces d'un peuple avec ses dieux. Décembre. Une nouvelle saison s'achève après 2 mois de fouilles. 2 mois d'efforts pour quelques bribes de mémoire. Quelques pièces de puzzle de plus arrachées à la terre de Kawashi. Sous le soleil brûlant, les ruines mises à nu commencent lentement à s'effriter. Éphémère et fragile, Kawashi doit être protégé. Nous commençons avec la partie de abajo. Et puis, la partie de arriba, plus tard. Comme chaque année, le cœur contraint, les archéologues ont décidé de rendre à la vieille cité sa couverture de sable, répétant ainsi, à près de 2000 ans de distance, le geste des anciens Nazca, sans lequel plus rien ne subsisterait aujourd'hui, qui permette de percer leur obsédant mystère. Après 2000 ans de silence, que reste-t-il de la mémoire de ce peuple secret et oublié ?
Au sud du Pérou, une piste poussiéreuse le long du rio Nazca, entre les Andes et le Pacifique. Directeur du Centre italien d'études et de recherches archéologiques précolombiennes, Giuseppe Orefici anime un ambitieux programme de fouilles, le projet Nazca. Depuis 17 ans, inlassablement, il explore les vestiges de la cité de Kawashi, l'ancienne capitale des Nazca. Le site est immense, 24 km carrés. Fantomatique, voilé de sable et de dépôts alluvionnaires, Kawashi s'impose à tous ceux qui l'approchent par la force de son mystère. Sous l'arrondi de ces collines transparaissent les silhouettes d'immenses monuments qui en faisaient une des plus impressionnantes cités de l'Amérique précolombienne. La Grande Pyramide est sans doute la plus imposante. Là, le grand temple dont la structure en escalier descend en direction du fleuve. Entre ces édifices, des couloirs, des terrasses, des petites places. Sous les outils des archéologues, c'est toute une ville qui émerge peu à peu. Pour Giuseppe Orefici, la tâche est à la mesure du site. Colossale, fascinante, incertaine aussi. Pillée depuis des siècles par des chasseurs de trésors sans vergogne ni respect pour les innombrables sépultures ensevelies dans ce lieu jadis sacré, la mémoire de Kawashi serait-elle à jamais perdue? Yeah, okay. À l'aide de cordes et de compas improvisés, le motif est minutieusement reporté sur le sol, après en avoir multiplié les dimensions pour obtenir l'échelle désirée. Quelques notions de géométrie élémentaire suffisent. Il y a 2000 ans, l'agrandissement d'un tel dessin ne devait pas poser plus de problèmes aux tisserands, aux bâtisseurs des monuments et des aqueducs Nazca qu'à l'équipe du professeur Lancho. Sobre la linea. Tiembla más, José Luis, tiembla más. Tiene. La piedra está malogrando acá. Pour le professeur Lancho, ce n'est pas la réalisation des géoglyphes dans le désert qui pose problème. Le mystère est plutôt de savoir pourquoi leurs auteurs les ont construits. À certaines dates importantes, les familles se rendaient sur la Pampa pour prendre part à des cérémonies organisées sur les géoglyphes comme une offrande aux dieux qui se trouvaient au firmament. Selon le professeur Lancho, qui n'hésite pas, pour l'expérience, à mobiliser ses élèves, les lignes offraient ainsi une sorte de chemin que des files humaines empruntaient à l'occasion de grandes cérémonies. En les parcourant, les pas des processionnaires en accentuaient le tracé et en animaient la figure. Icône vivante à la démesure du site, les lignes de Nazca célébraient ainsi les noces d'un peuple avec ses dieux. Florando
un passé omniprésent dans la vie des Nazca, comme si sans passé, il ne pouvait y avoir ni présent ni futur. Au bout de leur voyage millénaire, les messagers Nazca s'acquittent ainsi de leur mission. Au malaise diffus qu'ils inspiraient à la première rencontre, succède le sentiment d'une étonnante présence. Profitant du calme persistant de la météo, Giuseppe Orefici survole le désert autour de Nazca en compagnie de son ami Eduardo Herrán. Ce pilote chevronné a découvert plus de 350 de ces géoglyphes qui ont suscité tant de curiosité dans le monde entier. À ce stade de l'enquête, la connaissance acquise sur les Nazca permet-elle de résoudre ce qui demeure la plus grande énigme laissée par ce peuple? Ces lignes gigantesques, ces figures colossales gravées dans le décor lunaire de la pampa désertique sur plus de 500 km² et qui ne peuvent être observées que du ciel. À certains endroits, des figures géométriques simples se superposent à d'autres aux formes plus travaillées, tout simplement parce que ces lignes ont été réalisées sur plus de 1000 ans et que les artistes dessinaient parfois sur de vieux tracés. Pour en établir la chronologie, les spécialistes comparent leurs motifs à l'iconographie des céramiques et des textiles. À une échelle cyclopéenne, c'est en effet tout le panthéon Nazca que l'on retrouve dessiné dans le désert. Le condor, le singe, le colibri. Les lignes Nazca se distinguent par leur dimension et par leur nombre qu'on ne cesse de réévaluer. Ce jour-là, Eduardo montre à son ami celle qu'il a découverte. Secondo me, c'è stato un colpo molto forte che ha praticamente fratturato la base del cranio. Però dall'andamento della frattura sembra che sia stato inferto dal davanti e non dal dietro. Come quando è appoggiata la testa, capisci? Il collo si arqua. Ma non è fuori del suo posto? No, no. Frattura ben grande. Beh, Giuseppe, è stato un colpo proprio nella zona proprio del frontale. Il frontale, colpo secco proprio qua. Che ha fracassato completamente, La parte... Il setto nasale. Il maxillo facciale. Il facciale, naso. Che ha fracassato proprio completamente la faccia. Proprio completamente. Non è giovane? No, no, è giovanissimo. 35 anni. 40 anni. Tiene anche 40 anni. Ah. Coprolito. Coprolito in bocca. Coprolito in bocca. Versi così in femore. Ce n'est pas la première fois que des coprolites, en l'occurrence des excréments humains fossilisés, sont retrouvés dans la bouche de momies. La signification de telles pratiques est difficile à interpréter.
Dans un cas comme celui-ci, nous ne connaissons pas le sens que pouvait avoir le fait de placer des excréments dans la bouche d'un individu. Peut-être s'agit-il d'une marque de mépris ou d'un châtiment, nous ne le savons pas. Au total, ce jour-là, ce sont 7 momies qui seront retirées de leur tombe. Elles viendront enrichir l'échantillon nécessaire au travail des anthropologues. Certaines de leurs découvertes nous font pénétrer dans un univers étrange, fascinant et repoussant à la fois. Un autre monde. Plus de 90% des crânes étudiés par le professeur Drusini sont ainsi artificiellement déformés. Cet usage que l'on retrouve dans d'autres civilisations répondait probablement à certains critères de beauté. Les nouveau-nés étaient soumis, pendant un an, à la pression de déformateurs en cuir de lama. Au camp de base, les archéologues poursuivent leurs rêves peuplés de très anciennes images. Désertée, la grande cité de Kawashi se replie sous sa vieille couverture de sable et d'argile. Il y a 1700 ans, après 6 siècles de domination sans partage, la capitale religieuse des Nazca sombrait brutalement dans l'oubli, comme enterrée vivante. Que s'est-il passé à Kawachi? Entre 300 et 350 de notre ère, il y a eu 2 événements importants. D'abord, une grande inondation, particulièrement forte. Nous en avons retrouvé des traces dans toutes nos fouilles. Et un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui va détruire les temples. Nous avons retrouvé des morts sous les murs effondrés. Du coup, la religion des Nazca ne fonctionne plus. Les dieux et le centre cérémoniel ne fonctionnent plus. C'est le moment de l'abandon. Mais avant de partir, puisque tout est rituel, tout est religion dans leur culture, les Nazca enterrent entièrement les ruines en les remblayant. Observez les vestiges sur les parties les plus hautes du site. Vous verrez qu'ils sont recouverts d'une couche d'argile, apportée par les hommes au sommet du remblai. Et c'est ce qui en fait un lieu sacré. Tout, absolument tout ce qui se trouve sous nos pieds, a été recouvert par les hommes eux-mêmes. Il y a 1700 ans disparaissait ainsi, pour des siècles d'oubli, la gigantesque cité de Kawashi, enterrée par ceux-là même qui l'avaient fondée. Les Nazca, quant à eux, ne survivront que 2 ou 3 siècles à leur capitale, avant leur assimilation à la culture Wari, un peuple venu des Andes avec lequel ils avaient toujours eu des échanges. Les Wari domineront le Pérou tout entier. Plus tard encore, viendra l'Empire Inca. À ce moment, le nom même des Nazca aura disparu. À des personnes de haut rang. Ils sont décorés de divinités et surtout de dessins ornithomorphiques, c'est-à-dire des oiseaux peints. Au total, c'est 63 ballots de tissu que rapporteront les archéologues ce soir-là. C'est la première fois que des tissus peints sont découverts in situ. Mais pourquoi des tissus anciens se trouvaient-ils enfouis dans une couche archéologique correspondant à la fin de l'histoire des Nazca? Pourquoi des tissus d'époques différentes se trouvaient-ils enterrés ensemble? L'analyse de ces tissus demandera des mois de travail. Il faut essayer de sauver toutes les informations contenues dans ces tissus. De nombreuses pièces sont noircies par la matière organique que l'on retrouve à l'intérieur et surtout par l'humidité à laquelle elles ont été soumises.
Giuseppe Orefici ne connaît que quelques exemples de ces tissus peints conservés dans le monde. Leur rareté tient à leur ancienneté. Ils datent des premières périodes de la civilisation Nazca. Des traces organiques montrent qu'ils ont été en contact avec des cadavres et servaient de linceul. Sans doute ont-ils été un jour récupérés, rassemblés en paquets et rituellement réenterrés. À l'occasion peut-être d'une modification dans l'ordre religieux ou cérémoniel. La part de mystère irréductible qui leur est attachée ne peut que les rendre plus fascinantes encore. Ces tissus rejoindront bientôt la collection du laboratoire-musée dont Giuseppe Orefici nous ouvre pour la première fois la porte. Conservés dans de simples cartons, le climat de la région le permet, ces pièces de textile sont parmi les plus belles du monde ancien. À des siècles de distance, l'art des Nazca, cette habileté dans la fabrication des fils de coton ou de laine de lama et d'alpaga, cette extraordinaire variété des couleurs et des points de broderie, éclate comme au premier jour sous le soleil péruvien. Ce grand manteau de laine et de coton orné de félins volants et de toutes les figures du panthéon Nazca contribuait ainsi au faste des cérémonies de la cité de Kawashi, il y a plus de 2000 ans. Avant leur assimilation à la culture Wari, un peuple venu des Andes avec lequel ils avaient toujours eu des échanges. Les Wari domineront le Pérou tout entier. Plus tard encore, viendra l'Empire Inca. À ce moment, le nom même des Nazca aura disparu. La chute de Kawashi entraîne le déclin de ses dieux et la dislocation du pouvoir des prêtres. Alors que s'installe un régime féodal, sur les céramiques apparaît le visage des hommes. Dans la conscience Nazca, l'homme se libère et vient conquérir une place centrale. Sur le chantier de fouilles, le vent est tombé et le travail a repris. Dans une de ces couches intermédiaires entre deux phases de l'histoire de Kawashi, les archéologues ont dégagé une momie de jeune lama. L'animal a été sacrifié. Il pourrait s'agir d'une sépulture et elle aurait échappé aux pilleurs. Un regain d'énergie mobilise l'équipe. Une série de poteries renversées sont bientôt mises à jour, révélant des tombes. Ces poteries servaient en effet de couvercle au puits funéraire dans lequel étaient enterrés les morts. Souple du bébé a orienté sa croissance vers le haut.
Un peu plus loin, dans le laboratoire, des crânes au front percé défient à leur tour l'imagination. Des crânes d'hommes, mais aussi de femmes et d'enfants. Il ne s'agit donc pas d'un rite guerrier. Une corde passée par le trou, retenue à l'intérieur du crâne par un morceau de bois, permettait le transport ou la suspension de la tête. Tête offrande d'une personne sacrifiée. Tête trophée, symbole de pouvoir. Parfois, la bouche est fermée par une aiguille de bois ou de cactus. Parfois encore, les yeux sont bouchés, la langue coupée et enveloppée dans un petit sac de cuir, afin que l'âme des morts ne vienne pas déranger les vivants. Toute l'iconographie Nazca témoigne de l'importance de cette pratique dans la culture d'un peuple ni plus ni moins barbare que les autres. Pour les archéologues, cette coutume, et d'autres, plus cruelles encore, sont autant de fenêtres sur cet autre monde qu'ils tentent, à des siècles de distance, de pénétrer. Une des choses les plus émouvantes pour nous est sans doute d'appréhender peu à peu, à travers les rites, à travers ce qui reste de la vie cérémonielle de Cahuachi, ce que fut l'âme des Nazca. Un système de pensée avant tout rituel, une conscience profondément liée au passé, un passé omniprésent dans la vie des Nazca, comme si sans passé, il ne pouvait y avoir ni présent ni futur. Au bout de leur voyage millénaire, les messagers Nazca s'acquittent ainsi de leur mission. Au malaise diffus qu'ils inspiraient à la première rencontre, succède le sentiment d'une étonnante présence. Avoir 20 à 25 ans. Les Nazca étaient très trapus, les cheveux longs et noirs, musclés parce qu'ils travaillaient dur. Il paraît clair aussi à l'examen des squelettes et des dents qu'ils étaient en général en bonne santé. Ils ne portent aucune marque de coup. Il n'y avait pas de guerre ici. Cette rencontre à une telle distance est miraculeuse, car les corps étaient enterrés tels quels, sans préparation particulière. Seule une sorte de momification naturelle a pu les conserver ainsi. Elle est l'œuvre des sables de la région, riches en sel et en nitrate, exempts d'humidité. La prodigieuse mémoire minérale de Cahuachi est une mine d'informations pour l'anthropologue. Le professeur Andrea Drusini de l'Université de Padoue a pu ainsi étudier près de 550 individus. Comme sur toutes les populations, nous avons rencontré certaines maladies. Des traces d'anémie, des traces de malnutrition, des traces de maladies infantiles. Par exemple, de maladies infectieuses. Però, tuttavia, possiamo dire dalla... D'après les statistiques effectuées sur cette population, on peut avancer que leur espérance de vie se situait autour de 37-38 ans. Il n'y a pas de grande différence avec l'Europe du 19e siècle où l'on vivait en moyenne jusqu'à 42 ans. Et pourtant, entre les deux populations, il y a presque 2000 ans d'écart. Sur le site des tombes, les travaux se poursuivent. Près des puits funéraires apparaît un nouveau corps qui intrigue fortement l'équipe d'archéologues. À la différence des autres, il est couché sur le sol,
à l'horizontale. Le docteur Drusini se fait bientôt médecin légiste après avoir constaté que le squelette a les mains liées sur le devant du corps. Questa posizione è molto inusuale. Può essere naturale questa posizione? No, probabilmente si è trattato di un'esecuzione e il corpo è rimasto in questa posizione. Il fegato sotto la pancia. È molto strano questo. Parfois encore, les yeux sont bouchés, la langue coupée et enveloppée dans un petit sac de cuir, afin que l'âme des morts ne vienne pas déranger les vivants. Toute l'iconographie Nazca témoigne de l'importance de cette pratique dans la culture d'un peuple ni plus ni moins barbare que les autres. Pour les archéologues, cette coutume, et d'autres, plus cruelles encore, sont autant de fenêtres sur cet autre monde qu'ils tentent, à des siècles de distance, de pénétrer. Una delle cose más emocionantes Une des choses les plus émouvantes pour nous est sans doute d'appréhender peu à peu, à travers les rites, à travers ce qui reste de la vie cérémonielle de Cahuachi, ce que fut l'âme des Nazca. Un système de pensée avant tout rituel, une conscience profondément liée au passé. Un passé omniprésent dans la vie des Nazca, comme si sans passé, il ne pouvait y avoir ni présent ni futur. Au bout de leur voyage millénaire, les messagers Nazca s'acquittent ainsi de leur mission. Au malaise diffus qu'ils inspiraient à la première rencontre, succède le sentiment d'une étonnante présence. Profitant du calme persistant de la météo, Giuseppe Orefici survole le désert autour de Nazca en compagnie de son ami Eduardo Herrán. Ce pilote chevronné a découvert plus de 350 de ces géoglyphes qui ont suscité tant de curiosité dans le monde entier. À ce stade de l'enquête, la connaissance acquise sur les Nazca permet-elle de résoudre ce qui demeure la plus grande énigme laissée par ce... Le collo si arqua. Mais non, il est supposé. Non, non. Fractura bien grande. Mais tu avais pensé un colpo proprio nella zona proprio del frontale. Il frontale. Colpo secco proprio qua. Che ha fracassato completamente. Ha fracassato completamente la parte... Il setto nasale. Il maxillo facciale. Il facciale, naso. Che ha fracassato proprio completamente la faccia. Chiude completamente. Non è giovane? No, no, è giovanissimo. 35 anni. 40 anni. Tiene anche 40 anni. Ah. Prurito.
coprolito in bocca. Coprolito in bocca. Ce n'est pas la première fois que des coprolites, en l'occurrence des excréments humains fossilisés, sont retrouvés dans la bouche de momies. La signification de telles pratiques est difficile à interpréter. Dans un cas comme celui-ci, nous ne connaissons pas le sens que pouvait avoir le fait de placer des excréments dans la bouche d'un individu. Peut-être s'agit-il d'une marque de mépris ou d'un châtiment. Nous ne le savons pas. Au total, ce jour-là, ce sont 7 momies qui seront retirées de leur tombe. Elles viendront enrichir l'échantillon nécessaire au travail des anthropologues. Certaines de leurs découvertes nous font pénétrer dans un univers étrange, fascinant et repoussant à la fois. Un autre monde. Plus de 90% des crânes étudiés par le professeur Drusini sont ainsi artificiellement déformés. Cet usage que l'on retrouve dans d'autres civilisations répondait probablement à certains critères de beauté. Les nouveau-nés étaient soumis, pendant un an, à la pression de déformateurs en cuir de lama. Cet appareil forçait le crâne encore souple du bébé à orienter sa croissance vers le haut. Un peu plus loin, dans le laboratoire, des crânes au front percé défient à leur tour l'hypothèse.